Ah bon? De chez nous? Non. Si. Et alors? Il y a encore quelques trucs à terminer demain. Les drapeaux des associations de mobilité dans le temps du chemin et des mouvements anciens de battants et victimes de guerre, présidés par M. Christian Perrin, maintenant en de place. Les portes de drapeaux sont dirigées ce soir par M. Gérard Moussier. Ils sont la trace visible d'associations du monde combattant, de l'engagement et de la mémoire qui œuvrent au quotidien pour la résilience de notre nation. Nous les remercions de leur présence assidue qui embellit ces cérémonies.
Capable de former simultanément 1250 élèves gendarmes. Les élèves gendarmes suivent une formation initiale de 12 mois, dont 7 ou 9 à l'école et le reste en unité opérationnelle. Les élèves gendarmes adjoints volontaires suivent quant à eux une formation de 13 semaines à l'école. L'école accueille également depuis 2017 le Centre national de formation à la sécurité publique, qui conduit plusieurs formations, notamment le recyclage des agents de police judiciaire ou encore d'apprentissage au commandement. L'école, qui devrait accueillir 15 compagnies de formation initiale à l'horizon 2028, est d'ores et déjà la plus importante des écoles de gendarmerie. Elle dispose de 360 cadres permanents. Le 511e régiment du train d'Aussonne. Dernier régiment de l'armée de terre en Bourgogne, le 511e régiment du train est implanté à Aussonne depuis 1956. Il a pour mission principale le soutien logistique des forces et l'appui de leur mouvement. Il cultive des savoir-faire spécifiques à la manœuvre et au combat en milieu montagneux et est en mesure de soutenir notamment la 27e brigade d'infanterie de montagne. Le régiment est fort de 950 militaires d'actifs et environ 200 réservistes. Il est engagé sur de nombreux théâtres d'opérations parmi lesquels le Niger, le Tchad, le Liban, la Roumanie ou encore l'Estonie. En outre, ces militaires prennent part à l'opération Sentinelle au sein du territoire national. Il est commandé par le colonel Émeric Andrieux depuis le 28 juin 2023. La préparation militaire marine de Dijon. C'est un stage de découverte de la Marine nationale, ouvert aux citoyennes et citoyens âgés de 16 à 21 ans, se déroulant sur une année scolaire. Le centre de Dijon a été créé en 1974 et fait partie des 87 centres de la Marine, formant chaque année 3200 stagiaires en métropole et territoire d'outre-mer. Il contribue à la formation militaire et maritime des jeunes citoyens et au recrutement des marins d'actifs et de la réserve opérationnelle. Plus de 2000 bourguignons ont été formés depuis la création du centre Dijonais, qui accueille chaque année une cinquantaine de stagiaires sous la responsabilité d'instructeurs réservistes. L'élément R rattaché 00102 de Dijon. Il a été créé en 2018 et est rattaché à la base aérienne 116 de Luxeuil qui abrite en son sein l'escadron de chasse 01002 Cigogne. La ville de Dijon est marraine de cette unité. L'élément R rattaché est composé de trois unités. Le bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air et de l'espace, l'antenne des systèmes d'information et de communication aéronautique, et le centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air et de l'espace. Il abrite les archives individuelles et collectives de l'armée de l'air et de l'espace, soutient les systèmes d'information
d'information et de communication aéronautique dépoilée et en Côte d'Or, et dispense localement la formation militaire initiale et continue des réservistes. L'escadrille Air Jeunesse de Dijon, rattachée au Centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air et de l'espace, l'escadrille a été créée en 2019. Elle accueille de jeunes équipiers de 12 à 25 ans qui suivent un enseignement hebdomadaire autour d'activités de découverte du milieu aéronautique, de son environnement sportif, culturel, patrimonial et ses métiers et de ses valeurs. La direction interrégionale des services pénitentiaires et la maison d'arrêt de Dijon. Le détachement à pied est commandé par une chef des services pénitentiaires. Il comprend le drapeau de l'administration et des agents exerçant des missions variées au sein de la maison d'arrêt et de la direction interrégionale. Parmi eux se trouvent trois membres de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité chargés d'intervenir dans les établissements pénitentiaires pour rétablir l'ordre en cas d'incident grave ou pour sécuriser des opérations de grande ampleur, et un membre du pôle de rattachement des extractions judiciaires. La police municipale. La police municipale de Dijon compte 85 agents, dont 16 au sein du groupe de soutien et d'intervention créé en septembre 2022. Cette année marque le premier défilé de la police municipale. Une reconnaissance pour ce corps constitué et professionnalisé au service de la tranquillité publique des Dijonais. En lien avec les services de l'État, les policiers municipaux dijonnais assurent au quotidien une présence de proximité dans tous les quartiers de la ville. La Croix-Rouge française de Côte d'Or. En Côte d'Or, la Croix-Rouge française dispense toute l'année des formations à la prévention des risques et aux premiers secours. Par l'action de ses bénévoles, elle instaure une chaîne de solidarité pour lutter contre les précarités, notamment grâce aux maraudes, aux points d'aide alimentaire, à ses vestiboutiques et à ses établissements de lutte contre l'exclusion. Elle accompagne aussi les personnes en perte d'autonomie ou confrontées à des difficultés passagères à travers un complexe polyhandicap, un établissement d'insertion et des établissements enfance-famille. Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française met en œuvre des moyens humains et matériels importants qui lui permettent d'être un acteur de premier plan dans le domaine de l'urgence et du secourisme dans le département. L'Association départementale de la protection civile. Créée en juillet 1965, la protection civile de la Côte d'Or est une association agréée de sécurité civile, faisant partie de la Fédération nationale de protection civile. Composée de plus de 200 bénévoles, elle participe activement au soutien des populations dans le cadre de catastrophes comme d'incendies ou d'inondations. Les bénévoles participent également activement à la tenue de dispositifs prévisionnels de secours sur différents événements. Enfin, ils forment la population aux gestes de premier secours. Le détachement mêle des secouristes de l'association et des cadets de la protection civile qui défilent pour la deuxième année. Ce sont des jeunes de 10 à 15 ans qui ont fait le choix de s'engager au service de la population pour effectuer des activités citoyennes, observer des dispositifs de secours et représenter fièrement les couleurs de l'association. Au niveau du défilé motorisé, on trouve successivement, toujours de la gauche vers la droite, l'escadron départemental de sécurité routière de la Côte d'Or. L'escadron départemental de sécurité routière de la Côte d'Or comprend 7 unités réparties sur l'ensemble du département. Composé de 132 hommes et femmes, le DSR veille à la sécurité des mobilités sur les axes de nos territoires. Ses missions comprennent en premier lieu la sécurité routière et la lutte contre les accidents de la route, mais également la lutte contre la délinquance, les faux documents, l'immigration irrégulière ou encore les stupéfiants.
Le détachement présent ce soir est commandé par le peloton motorisé de Chevigny-Saint-Sauveur. Le 511e régiment du train, déjà cité, avec des véhicules de différentes gammes qui illustrent la diversité de ses missions. La direction départementale de la sécurité publique. La direction départementale de la sécurité publique assure la sécurité des habitants des six grandes communes de Côte d'Or. Elle compte plus de 500 policiers et est représentée par des policiers de la sécurité publique. On trouve ainsi deux motos de la brigade motocycliste dont les missions principales sont de lutter contre l'addictologie, les rodéos urbains et d'escorter les voyages officiels. Un véhicule de la section d'intervention chargé de la gestion de l'ordre public, des violences urbaines et de la lutte contre l'économie souterraine. Cette unité est engagée à Dijon en moyenne 110 fois par an sur des missions de maintien de l'ordre. La direction interrégionale des services pénitentiaires, déjà citée, avec deux véhicules permettant d'assurer le transport des personnes détenues à l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instruction, du procès ou de reconstitution, suivi de deux véhicules d'intervention des équipes régionales d'intervention et de sécurité. La brigade de surveillance intérieure des douanes de Dijon, rattachée à la direction régionale des douanes de droit indirect de Dijon, la brigade de surveillance intérieure des douanes de Dijon est composée de 26 agents, dont un groupe motard et une équipe maître de chiens spécialisée dans la recherche de stupéfiants. Travaillant en équipe, les agents de la brigade sont présents sur les routes et autoroutes, assurent la mission garde frontière de l'aéroport de Dijon-Lombi et interviennent en tout lieu dans le cadre de la lutte contre la fraude et les grands trafics illicites. Stupéfiants, tabac, argent sale, contrefaçon, armes, etc. La police municipale, déjà citée. Le service départemental d'incendie et de secours. Les 1900 sapeurs-pompiers du 10-21 veillent au quotidien et à toute heure à la sécurité des populations ainsi qu'à la sauvegarde des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement. Le centre de traitement de l'alerte réceptionne en moyenne 185 000 appels par an. Les pompiers interviennent près de 27 000 fois par an sur l'ensemble du département, dont 13 000 fois sur le seul continent urbain dijonnais. Les secours à personnes représentent 75% des interventions. Le détachement est composé de professionnels et de volontaires du corps départemental, issus du centre de secours de l'agglomération dijonnaise et des centres de secours volontaires couvrant l'ensemble du territoire départemental. De jeunes sapeurs-pompiers font également partie des défilants. La Croix-Rouge, déjà citée, le comité départemental de la Fédération française de sauvetage et de secourisme de Côte d'Or, implanté sur le département depuis plus de 15 ans, le comité est une association agréée de sécurité civile par le ministère de l'Intérieur. Composé uniquement de bénévoles, il forme le grand public et les secouristes et met en place des postes de secours sur différentes manifestations. Ils vont maintenant se mettre en place devant l'école de gendarmerie de Dijon. Ils auront l'honneur d'entonner notre hymne national à l'arrivée des autorités. Ils sont 128 venant de l'Ain, de la Haute-Marne, de la Côte d'Or et de la Loire, hébergés au lycée Le Castel pour un séjour de cohésion qui se déroule du 5 au 17 juillet. Ils sont accompagnés de 15 cadres en polo Bordeaux. Lors de ce séjour, toutes les formes d'engagement au service du pays leur sont proposées. Le projet se poursuivra pour eux dans les mois qui viennent à travers des missions d'intérêt général qui leur permettront de vivre concrètement une démarche d'engagement au service de la population.
arrivée sous le coup du général de Gaulle. Elles vont être accueillies par le commandant des troupes et vont saluer le drapeau de l'école de gendarmerie. Cette cérémonie est présidée par M. Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte d'Or. Les autorités civiles suivantes nous font l'honneur de leur présence. M. François Rexamel, maire de Dijon, président de Dijon Métropole. M. Didier Martin, député de la Côte d'Or. Mme Fadila Katabi, députée de la Côte d'Or. M. Benoît Borda, député de la Côte d'Or. M. François Patria, sénateur de la Côte d'Or. Madame Océane Charré-Godard, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. M. François-Xavier Dugour, vice-président du Conseil départemental de la Côte d'Or. Les autorités militaires sont le général Sylvain Laniel, commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or. Le général Hubert Charvet, commandant l'école de gendarmerie. Le colonel Émeric Andrieux, délégué militaire départemental de la Côte d'Or et chef de corps du 511e régiment du train de Somme. Les chefs de service déconcentrés présents sont le commissaire divisionnaire Bruno Gallo, directeur départemental de la sécurité publique. Le contrôleur général Régis Deza, directeur départemental du service d'incendie et de secours. Monsieur Sébastien Nicolas, représentant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Monsieur Florent Nourian, directeur interrégional des douanes et droits indirects de Bourgogne-Franche-Comté par intérim. Madame Pauline Rossignol, directrice de la maison d'arrêt de Dijon. Les autorités vont aller saluer le drapeau de l'école de gendarmerie de Dijon. Le général Sylvain Laniel et le colonel Émeric Andrieux passeront ensuite les troupes en revue. Thank you.
Le général Sylvain Lamiel, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie départementale de la Côte d'Or, et le médecin-chef Stéphanie Jacquemin, commandant le 6e centre médical des armées de Besançon, vont maintenant remettre des légions d'honneur, médailles militaires et ordre national du mérite. La Légion d'honneur, plus haute distinction nationale, est née en 1802 de la volonté de Napoléon Bonaparte d'unir le courage des militaires au talent des civils par la reconnaissance du seul mérite individuel acquis et non transmis. Elle va être remise au général François Santarelli avec le grade d'officier. Après avoir été incorporé à l'école d'application du train à Tours en 1987, il a rejoint les forces françaises en Allemagne en qualité d'officier de réserve en situation d'activité. À l'issue de sa scolarité à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, il a commandé le peloton d'intervention de l'escadron 11-2 de gendarmerie mobile de Bouillac. Il a ensuite commandé l'escadron 11-6 de Marseille, puis la compagnie de gendarmerie départementale de Villefranche de Rouergue. Après un passage à la direction générale de la gendarmerie nationale et sa scolarité au collège interarmé de défense, il a commandé à partir de 2013 le groupement de gendarmerie départementale de la Charente, puis rejoint en 2017 le centre de planification et de gestion de crise au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale. Il sert actuellement et depuis le 1er juillet 2022 en qualité de commandant second de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de la Côte d'Or. Présenté. Oh. Ouvrez-moi. Aux officiers généraux. Les soldats les plus anonymes et les grands chefs sont ainsi réunis symboliquement sous une même devise, valeur et discipline. Elle va maintenant être remise à l'infirmière en soins généraux de deuxième grade Géraldine Gavalas.
Elle a intégré l'école du personnel paramédical des armées de Toulon en 2001. Affectée à la base aérienne 102 de Dijon en 2006, elle a servi successivement à l'hôpital d'instruction des armées d'Eginette de Lyon, au centre médical des armées de Dijon, au centre médical interarmé de la Martinique et œuvre depuis 2021 à la 65e antenne médicale de Longueuil. Elle a effectué des missions en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et en Afghanistan et a participé au rétablissement de la situation aux Antilles suite à la tempête Irma. Portez. Arme. Ouvrez le banc. Infirmière en soins généraux de deuxième grade, Géraldine Gavalas, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. L'Ordre national du mérite est le second ordre national après la Légion d'honneur. Il a pour vocation de récompenser les mérites distingués militaires et civils et d'encourager les forces vives du pays. Le capitaine Philippe Bresson s'engage dans l'armée de l'air en 1985 en qualité de sous-officier et rejoint la base aérienne 921 de Taverny. À l'issue de sa scolarité à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Châtellerault, il reçoit en 1991 sa première affectation à la brigade territoriale de Comblamy. Il sert ensuite successivement à la brigade de recherche et à la brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire de Melun et en 2007 au bureau des enquêtes judiciaires de l'inspection générale de la gendarmerie nationale à Arcueil. Officier issu du rang à compter de 2012, il commande la brigade de recherche de Sens, puis est affecté au bureau des enquêtes criminelles à la sous-direction de la police judiciaire à Issy-les-Moulineaux. Il commande actuellement et depuis le 1er août 2018 la division des atteintes aux personnes au sein de la section de recherche de Dijon et quittera le service actif de la gendarmerie en septembre prochain. Voilà. Philippe Bresson, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national des mérites. Thank you.
Les troupes à pied vont maintenant manœuvrer pour se mettre en base de départ avant de défiler. Vous pourrez chaleureusement les applaudir ainsi que les véhicules pendant le défilé. Équipés d'un phare de recherche caméras thermiques de nouvelle génération, disposant d'une capacité de feuillage et d'aérocordage, l'hélicoptère effectue des missions judiciaires et administratives. Il peut également apporter son soutien aux services de secours en cas de besoin. Thank you.
messieurs, la cérémonie militaire organisée à l'occasion de la fête nationale se termine. Les autorités civiles et militaires vont aller saluer le commandant des troupes, la musique, les décorés et les porte-drapeaux. Excusez-moi, monsieur le préfet, bonjour. Bon, moi, je vais faire ça. Ah, mais t'es trop fort. Non, mais regarde. Thank you.